Ce qui est assez remarquable pour ce document et pour cette époque, c'est qu'il comporte ce qu'on appelle un colophon, qui est une sorte d'achevé d'imprimé. Et cet achevé d'imprimé est assez précis pour nous donner à la fois la date de l'impression et la technique qui a été employée, c'est-à-dire des caractères fondus, donc des caractères typographiques, métalliques. C'est exactement la technique que Gutenberg va employer, mais 70-80 ans après. Et j'étais très étonnée, en fait, de voir l'objet réel de cette œuvre. C'est-à-dire, on peut lire des choses sur ces documents, mais de pouvoir les voir et de voir l'histoire comparée avec les autres pays, par exemple d'Asie, et d'aller vers l'Europe, c'est un contexte très intéressant. 모든 유물이 그 사진으로 보는 것과 실제 모습을 보는 것에는 큰 차이가 있다고 생각합니다. 직접 눈으로 보니까 굉장히 감명 깊기도 하고